Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tous les collègues et amis qui sont en ligne. Donc, nous allons passer à cette quatrième session. Je voudrais d'abord faire deux précisions liminaires. La première pour les intervenants. Vous pouvez partager l'écran lorsque vous avez un PowerPoint. Et comme ça, il s'affichera directement. C'est notamment Alexandra Ragao qui posait la question. Alexandra, est-ce que tu as entendu? Oui, bonjour, très bien, merci. Bonjour. Et deuxième précision, nous avons dans le programme une intervention, celle de Fernanda Cavedon Capdeville, qui n'est pas sous l'effectivité de la mise en œuvre de l'ODD 14, mais qui est bien dans l'effectivité d'une aire protégée. Voilà, cette précision devait être apportée. Et donc, je voulais dire quelques mots là en ouverture de cette session. Nous avons eu à nous préoccuper en termes de définition de l'effectivité et de l'efficacité. Nous avons vu que ce n'était pas la même chose, il ne fallait pas les opposer et que les deux concepts étaient évidemment fructueux. Alors, je voulais vous proposer à votre réflexion deux autres concepts qui sont la mesure et le temps. Puisqu'on parle de mesurer l'effectivité par des indicateurs juridiques, dans un langage musical, vous savez que la mesure, c'est une segmentation hein, de la durée d'un discours musical, et elle se définit par un nombre donné de temps. Et le temps, évidemment, sont des unités de mesure de la durée. Mais la mesure va se définir également par la structuration et l'accentuation des temps. Il y a des temps accentués en musique, des temps forts et des temps faibles. Donc il y a une pluralité de mesures. Et ceci nous concerne, c'est à peu près la même chose pour l'effectivité. Effectivité qui s'inscrit dans une très longue lignée de travaux académiques. En droit, mais aussi au niveau philosophique. Les indicateurs, on l'a bien vu, sont un outil scientifique pour mieux comprendre l'application effective du droit, et ceci nous amène à une thématique qui est vraiment dans le concret et dans l'effectivité, ce sont les aires protégées. La stratégie nationale de la biodiversité en France comporte un volet qui est la stratégie des aires protégées, et qui prévoit à l'horizon 2030 d'avoir 30% de la superficie du territoire protégée et 10% de ce territoire en protection forte. Alors, ce sont évidemment des thèmes, des sujets qui nous interpellent à l'UICN, et ce sont vraiment des objectifs, des cibles, et nous allons nous y consacrer cet après-midi avec des exemples concrets de plusieurs pays, notamment la Tunisie, l'Argentine, le Portugal, la Turquie et le Brésil. Donc c'est vraiment un panel très intéressant. Et je vous relater un peu mon expérience d'ancien gestionnaire d'aires protégées. Les gestionnaires d'aires protégées, pour la plupart, possèdent un outil qui leur sert de boussole, de fil conducteur, qui s'appelle le plan de gestion. Alors, il s'appelle souvent autrement selon les législations. Mais par exemple, en France, le plan de gestion est prévu au code de l'environnement. Et le gestionnaire d'une aire protégée bénéficie d'un délai dans lequel il doit mettre en œuvre le plan de gestion. La plupart de ces plans de gestion sont accompagnés d'indicateurs. Alors, malheureusement, ils sont pas complétés par les indicateurs juridiques, mais c'est une technique qui est familière aux gestionnaires d'aires protégées, hein. Voilà, et qui permet de mesurer l'effectivité de la mise en œuvre d'un plan de gestion et de voir ensuite si l'objectif poursuivi est atteint entièrement, partiellement, etc. Nous allons donc sur ce sujet des aires protégées. Je vous propose de démarrer avec la communication de Madame Afef Amami Marakchi, qui est professeure de droit à la faculté de Tunis, qui est une correspondante nationale du CIDCE et qui est membre aussi de la chaire Normandie pour la paix.
Madame Arakchi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, bonjour tout le monde. Juste une petite précision. Donc, je suis professeure à la faculté de droit de Sfax. Donc, il y a une petite peut-être confusion. Désolé. Sfax qui... Non, pas de problème. C'est juste pour situer géographiquement l'endroit d'où je vous parle. Je voulais aussi vous dire que je voulais vraiment être présente et que je tenais à participer même à distance. Donc, très contente d'être des vôtres. Donc, en fait, oui, je, pour parler de l'effectivité d'une aire protégée et prendre l'exemple tunisien, je voulais juste rappeler que la Tunisie dispose d'un nombre important d'aires protégées, dont la grande majorité, en fait, sont des sites Ramsar. Il existe aussi des sites qui sont en projet de création, en attente donc de leur classement en aires marines et côtières protégées, et que en fait la majorité des sites dont je vais vous parler ont un statut de protection international, au moins on l'attente d'un statut de protection national, c'est-à-dire un classement en droit tunisien. J'ai choisi, vu le temps qui m'est imparti, de diviser cette présentation en acquis, en fait, en matière d'effectivité d'une aire protégée et les défis, en fait, s'agissant de cette effectivité. Pourquoi je voulais m'inscrire dans cette lignée d'acquis et de défis? Parce que d'abord l'expérience que je considère quelque part récente de cette notion d'aire protégée et sa réelle mise en œuvre. Et d'un autre côté, nous avons une nouvelle loi qui date de 2009 qui porte officiellement le titre de loi relative aux aires marines et côtières protégées, dont on attend encore l'entrée en vigueur. Donc, nous sommes un peu en phase, puisque vous avez parlé de timing et de temps, Monsieur le Président, on est un peu entre deux temps, on est entre deux régimes juridiques relatifs aux aires protégées. Donc, je commence par les acquis. Par rapport à ce cadre juridique en droit tunisien globalement favorable donc à cette notion, un cadre juridique assez ancien, puisque le code forestier, qui date de 1988, a consacré, lors de sa refonte, les notions donc d'aires protégées, avec une certaine déjà... pluralité, parce que nous parlons de parcs nationaux, de réserves naturelles, avec des définitions claires, certes. La majorité nous viennent de l'UICN, nous viennent donc de la convention sur les zones humides, mais en tout cas avec une spécificité tunisienne. Donc ce cadre juridique, bien sûr, qui a été plus tard renforcé, comme je vous l'ai dit, lors de la modification du code forestier lui-même, mais aussi avec le renforcement de certains outils tels que l'entrée en vigueur de la notion de plan de gestion, qui n'était pas consacré au début en 88, mais qui est venu plus tard avec des lois postérieures, dont celle de 2009 relative aux aires marines et côtières protégées. Ce cadre juridique donc que je considère comme un acquis en matière donc d'effectivité a été complété par des textes d'application, des arrêtés de classement donnant un caractère officiel concret à ces aires donc protégées, avec une diversité d'intervenants. Bien entendu, essentiellement le ministère de l'Agriculture, principal intervenant en matière d'aires protégées sous le cadre du code forestier de 88, avec un régime particulier de création, de gestion, de sanctions. J'y reviendrai. Alors, pourquoi je voudrais insister sur ce cadre juridique? Parce que les lois qui régissent les aires protégées en Tunisie,
nous mettre entre deux régimes différents, un ancien datant de 88, un plus récent datant de 2009, et cette diversité de régimes fait que nous avons une diversité d'air, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les forêts récréatives, les réserves de chasse qui ont été consacrées lors de la modification du code forestier en 2005 et récemment les aires marines et côtières protégées en 2009. Donc, ce cadre, bien entendu, connaît une application progressive qui connaît des difficultés. J'y reviendrai en matière de gouvernance, en matière d'intervenants, notamment avec un clivage entre les autorités au niveau central, surtout les ministères, les commissions interministérielles également, mais aussi au niveau local, avec de nouveaux intervenants qui sont apparus particulièrement après la réforme de la décentralisation en droit tunisien, particulièrement avec la loi de 2018 sur le code donc des collectivités locales. Donc le contexte, si vous voulez, lié à la planification, lié au cadre institutionnel, influe sur le contenu substantiel du cadre entourant les aires protégées, avec des dispositions qui varient selon le texte juridique en question, selon l'aire protégée elle-même, avec des lacunes pour chacun des cadres juridiques, des avantages aussi pour chacun d'eux. Et cela, on va dire, est peut-être quelque part compliqué par la promulgation de textes sectoriels qui régissent certains aspects, comme la loi de 1994 relative à l'exercice de la pêche, qui établit des interdictions de pêche dans des zones déterminées, qui interdit certains modes de pêche, qui établit aussi des infractions et des sanctions, mais aussi des arrêtés établissant des zones de non-pêche, y compris dans des zones qui étaient classées aires protégées. Finalement, ce Madame cadre… Arachi, excusez-moi, oui, est-ce que peut-être vous pourriez parler un tout petit peu plus lentement pour les interprètes, parce qu'il faut qu'ils puissent traduire en anglais et en espagnol également. Ah, pardon. Merci. Pardon, j'ai oublié cette consigne, pourtant j'ai reçu la recommandation. Désolée. Donc, dans ce cadre juridique que je classe parmi les acquis pour l'effectivité d'une aire protégée en droit tunisien, au niveau donc des notions, au niveau des outils, au niveau des intervenants, c'est plutôt par rapport aux défis que j'aimerais plus m'arrêter au niveau donc de cette présentation. Alors, le premier défi, d'abord, c'est la récente promulgation d'une loi pourtant attendue, qui est la loi sur les aires marines et côtières protégées de 2009. Pourquoi je la considère plus comme un défi face à la question de l'effectivité? Parce que cette loi renvoie à des décrets d'application qui retardent sa mise en œuvre et l'entrée en vigueur de plusieurs de ces dispositions. Ce cadre réglementaire n'a été adopté totalement qu'en 2015. Entre-temps, donc tout récemment, entre-temps, il y a eu l'identification de 5 sites en attente de leur classement en aire marine et côtière protégée. Les plans de gestion de ces sites ont commencé avant l'adoption, avant leur classement officiel. Donc, vous voyez, le temps dont vous parlez tout à l'heure, Monsieur le Président, déjà impacte clairement la création officielle et le classement officiel de ces aires en aires marines et côtières protégées au regard du retard dans l'adoption des textes juridiques. Une fois ces textes adoptés, pourquoi leur classement n'a pas encore vu le jour? Parce que, bien sûr, la procédure de création demande un certain nombre de modalités, notamment des enquêtes publiques, bien entendu
la consécration de la participation est un acquis très important en la matière. Cependant, la modalité de création prend plus de temps et chose inattendue, pour la création de l'aire marine côtière protégée de la Galite, une opposition, en tout cas, a été exprimée par la commune, pour le moment, de Bizerte, la commune située au nord de la Tunisie, à l'extrême nord. Nous ne savons pas encore les raisons, mais en tout cas, il y a un blocage exprimé par une autorité locale. Nous attendons la suite parce que, bien entendu, les débats commencent entre le ministère de l'Environnement, la commune de Bizerte et la population locale. Je ne veux pas par là dire que l'enquête publique entrave la création de l'air, mais cette approche participative suppose en tout cas un minimum de temps et je considère que c'est déjà un défi face auquel donc la création de cette aire marine côtière protégée, en tout cas de la Galite, devrait affronter. Au-delà de cette première question, j'aimerais m'arrêter sur la question liée à la gouvernance. Pourquoi je voudrais parler de gouvernance? Parce que les intervenants en matière d'aire marine et côtière protégée sont assez nombreux, de par déjà la dualité du régime juridique applicable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je parle essentiellement du ministère de l'Agriculture tunisien, principalement deux directions différentes déjà, à savoir la Direction générale des forêts d'un côté, lorsqu'il s'agit de parcs nationaux ou de réserves naturelles, et la Direction générale de la pêche au sein d'un même ministère, lorsqu'il s'agit d'une zone concernée par une restriction de pêche. Donc, vous voyez déjà, au niveau des autorités publiques centrales, nous avons un problème de, je voudrais pas dire de désarticulation institutionnelle, mais en tout cas, cela pose parfois un problème de gouvernance, d'autorisation, de vérifier à qui revient la décision, et cela ne facilite pas, en tout cas, la gestion de ces espaces. Alors, la loi de 2009 qui est venue s'ajouter sur les lois déjà existantes et qui porte, elle, qui s'intéresse spécifiquement aux aires marines côtières protégées, elle crée d'autres autorités, enfin, elle charge d'autres autorités à côté des autorités déjà citées. Au niveau central, nous avons un principal nouvel intervenant, à savoir l'Agence nationale de protection et d'aménagement du littoral, qui est d'ailleurs le point focal donc de plusieurs protocoles donc additionnels à la Convention de Barcelone, notamment à SPIM. Et donc, déjà, nous avons plusieurs autorités qui pilotent et qui interviennent donc sur ces espaces. La même loi de 2009 crée d'ailleurs un conseil consultatif d'air marine et côtière protégée qui est consulté avant donc la création finale de ces aires. Ce problème, je l'ai considéré parmi les défis. Pourquoi? Parce que en tout cas, étant en relation avec certains organismes dont je parle, je peux vous dire que la question de la gouvernance, de la coordination et du manque de communication entre ces différentes autorités complique réellement une meilleure gestion de ces espaces et bien sûr retarde la création et notamment les objectifs que la Tunisie voudrait atteindre de par ses engagements internationaux, de par la ratification des différentes conventions en rapport, mais et même par rapport à sa stratégie nationale donc de la biodiversité qui est préparée à l'horizon 2030, alors que nous sommes déjà en 2022 et nous sommes en retard même par rapport à notre propre stratégie nationale. C'est pour vous dire un peu
la dimension temps qui se pose en des termes bien particuliers s'agissant du droit tunisien. Par rapport au volet relatif au régime répressif, j'aimerais bien aussi en dire deux mots par rapport aux défis relatifs à cette question d'effectivité. Pourquoi ? Parce que, et c'est un peu une résultante du problème de gouvernance, cette superposition de structures institutionnelles, ministérielles, surtout intervenantes en la matière, crée une superposition des polices qui contrôlent cet espace, entre police générale, entre police spéciale, l'agriculture à sa police, l'agence de protection de littoral à sa police, le ministère de la Défense, puisqu'il s'agit d'une partie maritime, à sa police, le ministère de l'Environnement également. Et cette superposition de police crée un réel problème de conflit, soit positif, soit négatif, de compétences. Parfois, nous ne savons pas qui va détecter ou relever les infractions, surtout que sur ces espaces, en fait, relever l'infraction, constater l'infraction, pardon, doit être aussi d'une rapidité particulière. Or, lorsque la police appartenant au ministère de l'Environnement croit que c'est l'agence de protection et d'aménagement du littoral qui enverra ses agents pour relever l'infraction, et ben parfois personne n'est là pour constater l'infraction, pour transmettre le procès-verbal. Je peux vous dire même que sur un aspect procédural, il existe en Tunisie plusieurs types de procès-verbaux. Et j'ai assisté récemment à une réunion pour en rapport avec la protection du littoral. Le personnel intervenant, les agents chargés de constater l'infraction, demandent presque d'uniformiser le modèle des procès-verbaux pour faciliter la constatation des infractions et surtout la suite, parce que ce sont des procès-verbaux qui seront transmis au procureur de la République, qui seront transmis à l'administration compétente, et c'est le contentieux qui en suivra, qui va dépendre aussi de ce qui sera constaté en termes de procès-verbaux, ce qui impactera bien entendu ce volet juridictionnel et contentieux lié à la protection et à l'effectivité du régime répressif en fait consacré en droit tunisien. Régime répressif aussi, permettez-moi de préciser, contre un code forestier de 1988 et la loi sur les aires marines de 2009, la différence en termes de sanctions pénales, particulièrement relativement aux amendes, il y a une grande différence qui fait qu'il y a un décalage alors qu'il s'agit d'air protégé. C'est la même notion. Or, le régime répressif dépend de la loi qui l'organise, même en termes de sanctions. Surtout que le code forestier de 1988, même s'il a été révisé à plusieurs reprises, le volet relatif aux sanctions n'a pas été révisé. Donc, un mot aussi par rapport à ce volet répressif, c'est la possibilité de transiger. Et la transaction, bien entendu, en droit tunisien de l'environnement n'a pas fait défaut dans ce régime spécifique particulier qui nécessite pourtant une spécificité au moins pour que la transaction ne soit pas permise. Eh bien non, la transaction en matière d'infraction commise sur les aires côtières et protégées est permise. C'est vrai qu'elle est limitativement organisée, qu'elle est conditionnée, qu'elle est interdite dans certains cas, considérées comme des infractions graves, mais elles restent permises là où nous sommes étonnés parce qu'il ne s'agit pas d'une simple infraction environnementale au sens économique du terme, comme cela existe pour d'autres types d'infractions. Je finirai, je ne sais pas si j'ai encore deux minutes, par le volet participatif. L'évolution est visible par rapport aux différents textes juridiques dont je vous ai parlé, puisque le seul texte qui prévoit l'implication du public date de 2009, c'est-à-dire le dernier qui est venu organiser et encadrer les aires protégées en Tunisie.
Aucun autre texte auparavant n'a prévu l'implication du public, ni son avis, ni une enquête avec autant donc de transparence, avec un délai suffisant, avec des avis publics affichés, avec un commissaire enquêteur. Et donc, c'est une double participation intéressante que je considère, parce qu'elle fait appel d'abord aux autorités locales concernées, les communes, nouvelles intervenants, bon, qui sont parfois là pour s'opposer, mais s'opposer est une participation, et bien sûr, le public au sens large, ce qui, pour moi en tout cas, chercheuse en droit de l'environnement, je considère que pour l'appropriation de ces objectifs liés à la protection de ces zones, à leur développement durable, à leur durabilité, en tout cas en termes de protection et de rénovation, c'est très important d'impliquer le public en amont pour avoir cette protection de façon durable, parce que jusque-là, les aires protégées pour les Tunisiens, telles que définies par le code forestier, ça reste un peu loin du public, ça reste un espace plutôt fréquenté, mais le Tunisien ne se sent pas concerné par sa participation à sa protection. Alors, la loi de 2009 permet sa participation lors de sa création, ce qui aura des conséquences très importantes en matière de protection. Donc, je finirai pour conclure, pour dire que malgré ce système, en tout cas formel, juridique, bien ficelé, il existe un système informel lié à la protection des aires protégées et mis en place bien avant l'entrée en vigueur de la loi de 2009, ce qui est intéressant. Il y a une volonté, en tout cas, d'avancer en attendant la formalisation. C'est pour ça que cette protection informelle reste fragile. C'est pour ça que la Tunisie ne pourrait pas, en tout cas, avancer rapidement pour atteindre donc les objectifs tels que issus des conventions internationales à laquelle la Tunisie est partie. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Arakchi, pour ce tableau très précis et complet du cadre juridique en droit tunisien. Donc, nous avons bien noté les acquis historiques que vous avez évoqués depuis 1988, en passant par la loi de 2009, et l'apparition d'acteurs institutionnels, ça c'est évidemment fondamental. Et puis les protections sectorielles qui sont apparues par la suite, que vous avez évoquées. Ça marche? Ah bon, ça a l'air de marcher. Alors, au sujet des trois défis que vous avez soulevés, donc le premier défi, on le connaît bien, c'est le défi du temps du droit. Alors ça, c'est un défi universel. Et on voit bien que cette loi sur les aires marines qui renvoie à protéger, qui renvoie à des textes d'application qui ne sont parus qu'en 2015, évidemment, ça freine tout le dispositif, alors que d'autres délais courts avec des engagements internationaux, par exemple. Les procédures de création qui sont lourdes, avec des lenteurs et des blocages locaux, je crois que c'est vraiment là aussi, c'est une réalité que l'on trouve un peu partout. Mais vous avez raison de souligner que même si ces procédures sont lourdes, il y a un enjeu essentiel d'information et de concertation avec le public qui est essentiel. Pour le défi de la gouvernance, oui, il y a de nombreux acteurs, et puis par principe, mieux on informe et plus on concerte et plus il y aura d'acteurs qui vont se manifester, ce qui est tout à fait positif. Et vous avez évoqué la dualité juridique et institutionnelle qui existe entre deux grands ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Je crois aussi que c'est quelque chose qui est connu. Et le défi de l'effectivité du régime répressif que vous avez évoqué également, oui, le problème de la superposition des polices, police générale, police spéciale, qui engendre des conflits de compétences. Sur le terrain, les agents, évidemment, le vivent mal, vous l'avez dit, et ils sont demandeurs, les agents qui sont chargés de rechercher et de constater des infractions, sont demandeurs d'une homogénéisation des procédures et des outils. Et voilà, donc je n'aborde pas la transaction pénale que vous avez bien fait de souligner, qui pose question. Et
J'aurais tendance à dire que même si vous avez le sentiment que la situation reste fragile, je pense que c'est une excellente direction qui a été prise en Tunisie avec les différentes lois et aussi en élargissant cette mise en œuvre effective des protections à la participation du public. Merci, Madame Marachi, infiniment. Et sans attendre, je passe la parole à Gonzalo Sozo, qui est professeur de droit, vice-doyen de la faculté de droit à l'Université du Littoral à Santa Fe, en Argentine. Bonjour, Gonzalo, tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup par l'invitation. Et je suis aussi de parler en espagnol. Et, bueno, me voy a referir al problema de la medición de la eficacia en la gestión de las áreas naturales protegidas en Argentina, en particular sobre la necesidad de contar con indicadores jurídicos. Existe un alto consenso en el país acerca de que la gestión de las áreas naturales protegidas requiere de un plan de gestión. También existe un amplio consenso acerca de que el manejo de las áreas naturales protegidas, para saber si es eficaz, debe ser medido debidamente, y que para esa medición son centrales los indicadores. Y entonces la pregunta que me quiero hacer en esta primera parte de la exposición es si las áreas protegidas en Argentina cuentan con ese sistema de medición basado en indicadores que se apliquen periódicamente para monitorear la eficacia de la gestión de las áreas naturales y si esos sistemas de indicadores cuentan o no con indicadores jurídicos. El punto de partida del análisis en un país federal como la Argentina, que tiene 23 provincias, o sea, 23 estados subnacionales, el punto de partida no puede dejar de considerar que existe una gran diversidad y una gran asimetría entre los distintos estados subnacionales, y que existe también una gran asimetría entre los distintos componentes del Sistema Nacional de las Áreas Naturales Protegidas. En una palabra, la respuesta a la pregunta que me formulé no puede ser uniforme y requiere analizar diferentes escalas de áreas naturales protegidas. En primer lugar, las áreas naturales protegidas que tienen un estatuto internacional. Aquí en Argentina tenemos una presencia muy fuerte de las reservas de biosfera, hay 15, hay una red nacional de reservas de biosfera, y el gobierno argentino nacional en 2018 anunció que había creado un sistema de indicadores para evaluar y medir las reservas de biosfera en Argentina. La información disponible hasta este momento no permite conocer los detalles y el grado de avance en la implementación de ese sistema de medición, pero aquí cabe recordar que la estrategia del programa MEN and Biosphere 2015-2025 y el plan de acción del mismo programa establece que su aplicación se evaluará utilizando un marco de evaluación específico, lo cual incluye a los indicadores, sin duda. En el caso de los sitios Ramsar, la Argentina cuenta con 23 sitios Ramsar, tienen planes de manejo, pero no cuentan con un sistema de indicadores unificado. Aquí cabe recordar que en el ámbito de la Convención Ramsar se viene desarrollando desde hace tiempo la idea de la necesidad de contar con indicadores
para la evaluación periódica del wise use, del uso racional. También hay que recordar aquí que el convenio, que en el convenio Ramsar existen importantes antecedentes que marcan un reconocimiento de la necesidad de contar con una dimensión jurídica en la evaluación del uso racional. En este orden de ideas se puede mencionar la recomendación 4.10 de 1989, que contiene las directrices para la aplicación del uso racional de humedales y que en su lineamiento número 2 hace referencia a las acciones relativas a la legislación y a las políticas gubernamentales. Es decir, que estas directrices recogen la idea de que la arquitectura jurídica y la implementación de esa arquitectura jurídica son claves para el logro de la meta del uso racional y constituyen una suerte de dimensión jurídica del uso racional de los humedales. El paso siguiente fue incluir esta dimensión jurídica en la evaluación periódica de los humedales. Esto se hizo en la resolución 7.7 de la COP de 1999, y luego también se volvió sobre la misma idea en el plan estratégico de 1997-1992. Hay que recordar aquí que el objetivo operativo 2.1 solicita a los estados partes que analicen la compatibilidad de sus marcos legislativos con la obligación del uso racional. En definitiva, en el ámbito de Ramsar existe una plataforma de lanzamiento óptima para dar el próximo paso, que es elaborar indicadores jurídicos para medir y evaluar periódicamente esa dimensión jurídica del uso racional que ya ha sido reconocida en el marco de la convención. El segundo nivel que corresponde analizar es el de las áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí la Argentina tiene una tradición cultural muy antigua en materia de parques nacionales. En 2010, la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Naturales Protegidas de la Administración de Parques Nacionales elaboró una guía para la elaboración de planes de gestión de las áreas protegidas, derivada del Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales de 2001. Esta guía plantea la necesidad de que exista una evaluación y seguimiento de los planes de gestión y para ello plantea que son necesarios los indicadores y que es necesario contar con un mecanismo, con un protocolo, perdón, de medición. Entonces puede afirmarse que en el campo, en el ámbito de los parques nacionales, existen estos planes de manejo y existe un sistema de indicadores. Pero la presencia de los indicadores jurídicos, si bien puede entreverse, puede rastrearse dentro del sistema de indicadores, no es la presencia de los indicadores jurídicos no es sistemática ni exhaustiva. En el tercer nivel, el de las áreas naturales protegidas provinciales o subnacionales, aquí el panorama es muy diverso. Si tomamos como ejemplo la provincia en la que yo vivo, que es la provincia de Santa Fe, que es el segundo estado en importancia de la Argentina, la provincia tiene 25 áreas naturales protegidas provinciales y una sola, la reserva de El Fisco, es el nombre, cuenta con un plan de manejo. Y ninguna de las áreas naturales protegidas provinciales tiene un sistema de indicadores. A pesar de lo cual, y menos aún de indicadores jurídicos, a pesar de que se reconoce
que varias de las debilidades en la gestión de las áreas naturales protegidas son jurídicas. Existe debilidad institucional, existe debilidad en la falta de regulación del ordenamiento territorial, no existe una planificación del uso público de las áreas naturales protegidas, faltan mecanismos de participación del público, etcétera. Es decir, hay una contradicción importante porque se reconoce la importancia del ámbito jurídico para la gestión de las áreas naturales protegidas provinciales, pero no hay indicadores en general ni indicadores jurídicos en particular. ¿Qué conclusiones o qué conclusiones se pueden extraer en relación a los indicadores jurídicos luego del análisis de este panorama de las áreas naturales protegidas en Argentina? La primera conclusión es que el panorama es muy diverso en lo que hace a la existencia e implementación de indicadores entre los tres niveles, el nivel internacional, nacional y subnacional. La segunda conclusión es que de los tres niveles, la arena del nivel internacional es la que muestra, o sea, las áreas naturales protegidas que tienen un estatuto internacional, es la que muestra mayores avances en materia de indicadores. En particular, los humedales Ramsar. Y evidentemente este nivel de áreas naturales protegidas es el terreno más fértil para poder seguir avanzando. La tercera conclusión es que es claro que en las áreas naturales protegidas, como los parques nacionales, que cuentan con una cultura, existe en el país una cultura muy fuerte, tienen una tradición, un arraigo muy importante, ahí existe un avance autónomo respecto del avance internacional en materia de indicadores. Y segmentos como este de las áreas naturales protegidas pueden ser aprovechados para seguir avanzando con los indicadores jurídicos. La cuarta conclusión es que sectores como el de las áreas naturales protegidas subnacionales o provinciales, tienen aún muy pocos avances en materia de indicadores, y aquí la agenda inmediata parecería ser la necesidad de avanzar en establecer primero planes de gestión y luego establecer un mecanismo de monitoreo periódico e indicadores. La quinta conclusión es que la existencia de redes globales y nacionales de áreas naturales protegidas, como ocurre con las reservas de biosfera y con los humedales Ramsar, son un factor de dinamización muy importante y un ámbito muy interesante para avanzar en el diseño e implementación de indicadores. ¿Qué es lo que ocurre con los indicadores jurídicos o cuáles son las conclusiones en relación a los indicadores jurídicos? La primera conclusión es que del análisis del panorama hay tres situaciones. La primera es que en algunos casos no se considera en absoluto la dimensión jurídica de la gestión y la conservación de las áreas naturales protegidas y por tanto no se emplean indicadores jurídicos. La segunda situación que se identifica en el análisis es que en algunos otros casos se toma en cuenta la dimensión jurídica de la gestión de las áreas naturales protegidas, pero no se ha avanzado con indicadores jurídicos para medir esa dimensión jurídica de la gestión. Y la tercera situación, que es una situación intermedia, es que en algunos casos se identifica la dimensión jurídica de la conservación y la gestión, pero se entremezclan
los aspectos jurídicos en indicadores que no analizan de manera sistemática y exhaustiva esa dimensión jurídica de la conservación. La segunda conclusión es que en todos los casos analizados con mayor o menor fuerza, se reconoce que muchos de los conflictos y problemas que afectan a la gestión de las áreas naturales protegidas tienen su raíz en el derecho. Enumero algunos: problemas de articulación de competencias, problemas de articulación de jurisdicciones, problemas de conflictos en los usos públicos de las áreas naturales protegidas, problemas de tenencia y propiedad de la tierra, problemas de falta de mecanismos de participación del público, falta de regulación del ordenamiento territorial y falta o ausencia de una ley de humedales. Precisamente la existencia de estos problemas muestra que es absolutamente necesario contar con indicadores jurídicos, que es necesario avanzar en el reconocimiento de la dimensión jurídica de la gestión de las áreas naturales protegidas, como ya se hizo en el caso de Ramsar, que es necesario avanzar incorporando la dimensión jurídica en la evaluación y monitoreo periódico de la gestión de las áreas naturales protegidas, que es necesario introducir la dimensión jurídica, una dimensión jurídica a través de un sistema de indicadores para la evaluación, que ese sistema de indicadores sea un sistema exhaustivo de indicadores que comprenda no solamente la existencia de la normativa, sino su aplicación y su implementación. Y a mí me parece que el camino que hay para avanzar en este sentido es impulsar los indicadores jurídicos desde la esfera internacional hacia la esfera nacional. Emplear los espacios de las redes de áreas naturales protegidas, que son notablemente más permeables para avanzar en materia de indicadores, impulsar la realización de experimentos de diseño y de implementación de indicadores jurídicos en las áreas naturales protegidas que estén más avanzadas, más desarrolladas y más consolidadas. Y finalmente, en países como Argentina, donde el principio de no regresión está ya fuertemente, ampliamente reconocido, es necesario recomendar que la medición a través de los indicadores jurídicos es indispensable para el buen uso del principio de no regresión. Porque de otra manera, las únicas regresiones que podríamos evaluar son las regresiones que surgen evidentes, pero muchas regresiones requieren de un mecanismo de medición y allí los indicadores jurídicos juegan un rol central. Muchas gracias. Merci, Gonzalo. Pour la situation en Argentine, les facteurs de progrès qui ont été évoqués tiennent d'abord à la situation spécifique de l'Argentine, qui est un pays fédéral, avec ça c'est important à rappeler. Et on constate qu'il y a globalement peu ou pas d'indicateurs juridiques en droit positif dans le sujet qui nous anime aujourd'hui. Et avec des variations importantes quand même, les aires protégées qui répondent à des engagements internationaux comme Ramsar par exemple, disposent de plans de gestion, ont des procédures d'évaluation, mais il n'y a pas encore d'indicateur juridique. Néanmoins, c'est une bonne base pour avancer vers un système qui intègre des indicateurs juridiques. Pareil pour les aires protégées nationales, qui constituent également une bonne base de progrès. Il reste encore à aligner en quelque sorte vers le haut les aires protégées provinciales, si j'ai bien compris. Et en cela, les réseaux mondiaux d'aires protégées constituent un facteur de facilitation important. Je crois que c'est un message fort que Gonzalo nous a donné. Et avec des constats,
l'approche scientifique ne prend pas suffisamment en compte la dimension juridique de la gestion des aires protégées. Les indicateurs, lorsqu'ils existent, n'analysent pas ou ne sont pas en capacité d'analyser la dimension juridique. Et la plupart des conflits observés dans les aires protégées ont pour origine des questions juridiques, ou en tout cas sont très proches des questions juridiques. Donc, pour avancer, là aussi, il faut des outils juridiques, des indicateurs qui sont adéquats. Et puis enfin, d'impulser cette dynamique des indicateurs du niveau international vers le niveau national. Merci beaucoup, Gonzalo. Une précision, les questions que vous posez ou que vous allez encore poser seront traitées tout à l'heure au moment de la discussion. Et donc, je donne la parole à Alexandre Aragão, qui est professeur de droit à l'Université de Coimbra, au Portugal. Vous avez la parole, Alexandra. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je vais vous parler sur l'exécution au niveau national du Portugal du projet appelé Indigène, c'est-à-dire les indicateurs juridiques d'effectivité du droit de l'environnement qui a été lancé par Monsieur le professeur Michel Prieur et qui a été suivi dans plusieurs pays, lesquels sont ici représentés. Et moi, comme coordinatrice nationale, je vais parler de notre expérience en deux moments. D'abord, en parlant de l'effectivité du droit de protection d'une aire protégée. Et dans un deuxième moment, je parlerai sur l'effectivité du droit applicable à l'ODD 14. Alors, premièrement, sur l'effectivité de l'aire protégée, je vais décrire très brièvement le cas d'étude. Le cas d'étude, c'est une réserve naturelle très proche de notre ville de Coimbra, au centre du Portugal. Cette réserve naturelle est visitée surtout par des touristes et des visiteurs internes. Elle n'a pas beaucoup de visibilité dans le plan international parce que c'est une très petite réserve qui quand même a une grande importance parce qu'elle est aussi un site Natura 2000 et elle est aussi un site Ramsar, donc elle a un double statut de protection internationale. Ça se justifie parce que c'est un espace humide, c'est une aire humide d'importance internationale dans laquelle nous pouvons trouver plusieurs espèces charismatiques comme la huître, je pense que c'est comme ça le nom en français, des canards, etc. Alors, c'est des espèces avec une certaine importance d'un point de vue écologique et surtout d'un point de vue de l'image sociale de l'espèce. Elles sont très charismatiques et considérées comme importantes par la population. Cette réserve, elle se situe dans un endroit qui n'est pas très urbanisé, mais où on trouve des activités agricoles, certaines activités agricoles, des activités de transport comme les routes qui traversent et touchent un des coins de la réserve qui est marqué à droit en bas avec une espèce de rectangle orange dans le plan. Alors, il y a plusieurs activités qui peuvent conflictuer avec la protection de l'espace naturel. En faisant un peu de zoom, vous pouvez regarder les activités agricoles qui se développent dans la réserve, mais qui sont importantes quand même pour maintenir les gens, pour que la réserve ne soit pas abandonnée, parce que la gestion de la réserve requiert certaines activités humaines.
pour que la réserve puisse se maintenir dans un bon état de conservation. Je pourrais l'expliquer plus détaillément si vous voulez après. Et marqué sur le plan, vous pouvez aussi regarder la présence de certaines activités sociales, comme par exemple un groupe folklorique et ethnographique qui est un des plus grands agents de visibilisation de cette réserve, parce qu'ils montrent toujours dans leurs activités, ils montrent toujours la connexion très forte qui existe entre les activités humaines et la réserve. On a dû, l'équipe qui a travaillé dans le projet indigène a dû délimiter le périmètre juridique. On a fait une liste des diplômes applicables à la réserve et on a, tel que nous a été demandé par les coordinateurs du projet, le professeur Michel Prieur et aussi par les autres collègues, on a fait une hiérarchisation et on a attribué une classification plus élevée à la loi qui crée la réserve naturelle, dans laquelle il y a une liste des activités qui sont permises et une liste des activités qui sont interdites à la réserve. Aussi, la loi portugaise sur la transposition de la directive européenne pour la protection des oiseaux sauvages a été considérée par nous, par le groupe de travail, comme étant une des plus importantes lois applicables à la réserve. D'après, on a eu un bas avec une gradation de 9, une pondération de 9, d'autres lois aussi importantes, surtout des lois avec des rapports avec le droit européen, parce que nous avons discuté très approfondément cette question et on a compris que pour les organes d'application des lois, soit les organes administratifs, soit les organes juridictionnels, c'est très important l'invocation du droit européen. Ils ne veulent pas être considérés comme étant en violation du droit européen et c'est pourquoi les lois nationales de transposition des directives européennes est considérée aussi comme très importante. Elle n'a pas une liste d'activités permises ou interdites et donc on n'a pas attribué 10 mais simplement 9. Mais c'est la raison par laquelle nous avons choisi cette loi. Et aussi, nous avons choisi une loi sanctionnatrice, une loi qui applique des sanctions administratives aux activités qui sont contre les lois d'interdiction dans la réserve. Finalement, on a mis d'autres diplômes, surtout internationaux, comme étant les moins importants. On a fait une hiérarchisation des listes comme des lois comme demandé. D'après, on a préparé le questionnaire. On l'a préparé par une adaptation du questionnaire français. C'était pas simplement une traduction du questionnaire français. C'était une adaptation vraiment au droit portugais parce qu'il y a certaines spécificités du droit français qui ne s'appliquent pas à notre droit et nous avons considéré important d'ajouter une ou deux petites choses. Le questionnaire a été fait en ligne en utilisant le système Google Docs pour permettre aux répondants de répondre directement et de faire l'analyse pour nous, pour le groupe, pour faire l'analyse des réponses. Ici, c'est le questionnaire en version Excel encore, dans laquelle nous pouvons voir les options que nous avons prises de réponses. Nous avons oui et non, et d'après, on a des options de beaucoup ou peu. On a discuté quelles étaient les meilleures options. La version française utilisait d'autres expressions pour ces versions intermédiaires entre oui et non. L'expression française, c'est pas beaucoup ou peu, mais en droit portugais, en langue portugaise,
c'était le plus logique, c'était beaucoup et peu. D'après, on a aussi défini les valeurs de chaque réponse, et on a attribué une valeur simplement symbolique, ou je ne sais pas, ou je ne réponds pas, et une certaine pondération pour chacune des questions. D'après, c'était la quatrième étape, on a décidé qui seraient les enquêtés, le groupe de personnes qu'on allait contacter pour répondre à ce questionnaire, et on a choisi certains représentants des autorités nationales, autorités de fiscalisation, autorités de police, par exemple, aussi autorités administratives de autorisation. Ici, c'est les municipalités qui doivent autoriser ou non certaines activités. On a choisi aussi certaines magistrats. C'était surtout notre connaissance personnelle qui a été utilisée ici pour contacter les différents enquêtés. Et aussi, on a contacté certains avocats et chercheurs spécialisés, non sur le droit, mais sur des aspects biologiques ou écologiques de l'aire naturelle Paul der Ziel, c'est le nom de notre réserve. Et on a aussi contacté des associations de la société civile, associations culturelles et associations de conservation de la nature, ONG donc, ONG environnementale, qui ont aussi été disponibles pour la réponse. Nous n'avons pas eu réponse de tous ces individus qui ont été contactés, mais on a eu quand même quelques résultats. Les résultats peuvent être analysés statistiquement parmi des graphiques, quoique les graphiques ne sont pas très représentatifs à cause des chiffres des répondants, qui sont des chiffres très basses. Mais nous savons que nous sommes encore dans une étape de l'application du questionnaire, une étape de test. Et donc, le test devrait être représentatif des différentes parties prenantes, mais il n'est pas du tout statistiquement représentatif. Les chiffres sont presque symboliques. Alors, c'est pourquoi je ne vais pas expliquer les taux de réponse à différentes questions. Cette visualisation graphique n'a pas aucune expressivité et statistique. Donc, je passerai avant. Et ce qui était plus important dans cette analyse, j'avance rapidement, le plus important dans toutes les questions et cette analyse, c'était finalement, on va arriver, le retour d'expérience, c'est-à-dire l'opinion des enquêtés sur le questionnaire lui-même, c'est-à-dire des positions critiques des gens qui ont répondu et qui ont des opinions qui sont très importantes pour nous pour faire la version finale du questionnaire qui va être délivré expectablement en 2022 pour faire les questions définitives. Et on a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais simplement adresser quelques-unes d'une façon très très simple et résumée. Par exemple, il y a certaines questions sur la liste de lois applicables. Si on devrait ou non considérer, par exemple, la loi de base de l'environnement, c'est une loi d'encadrement très générique qui ne s'applique pas simplement à des zones de conservation, elle s'applique à tous les aspects de l'environnement. Et donc, on a eu cette difficulté. Aussi, les lois de protection de l'eau, parce que c'est étant une zone humide, et il y a un fleuve qui passe tout près, c'était aussi important et on a discuté ça. D'après, aussi, on a discuté la légitimité du groupe de spécialistes, parce que c'était surtout des juristes, quatre juristes, et on avait
seulement une personne spécialisée sur les questions sociales, une personne de sociologie. Et cette composition du groupe a changé pour le deuxième questionnaire. D'après, on a eu certaines difficultés sur la hiérarchisation des critères. Pourquoi est-ce que on a mis en avant la loi qui a créé la réserve et pas la Constitution, par exemple? Pourquoi pas le Code pénal, par exemple? C'était difficile d'arriver à un consensus parmi le groupe dans l'hiérarchisation de la législation et l'attribution d'une certaine pondération 19, 8, 7, 6, enfin, toute l'hiérarchisation qu'on a dû faire et qu'on a discuté d'une façon très approfondie. D'autres questions peut-être plus détaillées sur la superposition de certains indicateurs juridiques ont aussi été discutées. Et en ce qui concerne ces questions, ces doutes de retour d'expérience s'appliquent ont été formulées par l'équipe de travail, le groupe de travail pluridisciplinaire, mais aussi par les répondants. Et dans le cas de certains répondants, ils ont considéré que les réponses possibles, oui, non, beaucoup ou peu, n'étaient pas suffisantes et ne réfléchissaient pas suffisamment leur vision. Donc, d'une façon très résumée, c'était ça notre participation dans le travail de construction, d'opérationnalisation de ces indicateurs juridiques. Comme équipe, comme coordinatrice de l'équipe de travail, je peux dire que nous sommes vraiment heureuses de pouvoir participer, même si les difficultés sont très grandes. Et les difficultés ont été approfondies à cause de l'impossibilité d'avoir des réunions présentielles avec le professeur Michel Prière, soit avec l'ingénieur Christophe Bastin, qui avait la possibilité de nous expliquer d'une façon plus détaillée les justifications de la quantification et nous avons vraiment senti que c'était un point faible de notre participation au Portugal, le fait que nous avions besoin d'avoir un interlocuteur plus proche dans une réunion présentielle, même si sans doute Christophe Pastin était toujours disponible pour expliquer la logique derrière les chiffres, mais quand même c'est différent d'avoir un groupe de travail qui fait des réunions au présentiel, ce qui n'a pas été possible à cause bien sûr de la pandémie. Alors merci beaucoup de votre attention et je suis disponible pour répondre à des questions. Merci Alexandra, il y aura sûrement des questions tout à l'heure. Et donc merci aussi pour la présentation de ce référentiel juridique sur les sources des textes qui s'appliquent. Il y a une méthode qui a été élaborée avec une hiérarchisation, une gradation des notes selon le degré d'intensité. Alors évidemment l'adaptation du questionnaire sur l'effectivité en lien avec Michel Prieur et Christophe Bastin est une évidence pour adapter au contexte du Portugal. Et vous avez procédé à une large consultation, donc à une phase de test, large consultation en ligne auprès des autorités publiques, de magistrats, d'avocats, de chercheurs, d'associations, d'experts, et vous avez traité les réponses. Donc, c'est vraiment un processus complet qui aboutit à un inventaire avec une hiérarchisation des données d'application du droit, bien ordonnée, et qui constitue une bonne base dont cette belle réserve naturelle de Paul de Arzila pourra bénéficier. C'est un site, vous l'avez dit, Natura 2000 et Ramsar, donc d'importance internationale. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience exemplaire.
Eh bien, maintenant, la parole est à Ibrahim Kaboglou, professeur de droit, député, qui est vice-président du Centre international de droit comparé sur l'environnement, pour la situation en Turquie. Vous avez la parole, Monsieur Kaboglou. Merci bien, chers collègues, Monsieur le Président. Je vous salue chaleureusement d'Istanbul. Donc, je vais aborder ce thème sous trois titres principaux. Tout d'abord, à titre introductif, je voudrais vous signaler l'effectivité constitutionnelle, l'effectivité du droit constitutionnel environnemental. Deuxièmement, sous l'optique de la réception des instruments internationaux en droit national, la Convention de Barcelone et son effectivité en Turquie. Et finalement, je vais aussi, je voudrais aussi vous signaler la problématique du canal Istanbul qui se situe à la croisée de la Convention de Barcelone et de la Convention de Bucarest, ainsi que de l'accord de Paris, ou bien ce projet est à l'épreuve de l'effectivité du droit de l'environnement au niveau national, régional et international, en envisageant aussi que ce congrès examine à la fois le changement climatique. Voilà donc, tout d'abord, je veux aborder ce sujet du point de vue au niveau constitutionnel, l'effectivité du droit constitutionnel environnemental. Et donc, les dispositions constitutionnelles relatives à la protection de l'environnement et des patrimoines historiques, naturels et culturels, ainsi que des zones côtières et forestières, constituent un large éventail. Autrement dit, le territoire, même d'une façon dispersée, est présent dans la Constitution de la République de Turquie en vigueur. Il s'agit d'une façon implicite de la constitutionnalisation du territoire. Les composantes du droit de l'environnement sont reconnues et protégées par la Constitution. L'article 56 de la Constitution, après avoir reconnu le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, prévoit une triple obligation à la fois pour l'État et les citoyens. Améliorer l'environnement, protéger l'environnement sanitaire, prévenir la pollution de l'environnement. Cet article est valable pour toutes les dispositions constitutionnelles relatives à la protection de l'environnement. Donc, du point de vue de la conception étatique, l'état de droit et l'état de droit social sont conçus comme caractéristiques de la République. En envisageant la diversité des dispositions territoriales, la République de Turquie peut être aussi interprétée comme l'état de droit environnemental. Ceci dit, l'effectivité du droit de l'environnement en Turquie dépend en principe de l'effectivité de la Constitution, dont la valeur normative est indiscutable. Et donc, quant à la Convention de Barcelone, tout d'abord, je voudrais vous signaler la place des conventions internationales, la place dans la hiérarchie des normes. Et donc, quelle est donc la place de la Convention de Barcelone dans la hiérarchie des normes en Turquie? Pour tester l'effectivité du droit international de l'environnement, il convient de signaler d'abord la règle constitutionnelle relative à la réception
d'un instrument international. Les conventions internationales dûment mises en vigueur ont force de loi d'après la Constitution. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Comme vous le voyez, il s'agit donc d'un système moniste et de l'effet direct de la Convention internationale en droit interne. Du fait que la Cour constitutionnelle ne peut exercer son contrôle, les conventions ont un statut davantage protégé par rapport aux lois nationales. De plus, si la convention en cause est relative aux droits de l'homme, elle tient une place supérieure par rapport à la loi. Pour ce qui concerne la convention de Barcelone, celle-ci a fait déjà partie intégrale du droit national de l'environnement. C'est-à-dire qu'elle est davantage protégée par rapport à une loi. Mais il faut se demander si elle peut bénéficier d'un instrument des droits de l'homme. Et quant à son effectivité en droit national, et donc comme l'enquête menée dans trois pays, donc en tant que l'État pilote en France, en Tunisie et en Turquie, et nous avons effectué aussi une enquête pendant l'été en Turquie. Et donc, quel est donc le tableau, la présentation générale, les résultats, le bilan de ce rapport national? Rapport national, donc il s'agit d'un rapport national du test pilote. Et pour les questionnaires, à partir des questionnaires, si il faut vous donner une idée générale sur la totalité de l'enquête. Et donc, et comme on le sait, il y a donc six familles des questionnaires, des critères. Il y a donc premièrement, du point de vue des critères existentiels et normes d'application, il y a une divergence des réponses du panel aux questions de la famille 1 sur les critères existentiels des normes d'application. Sur sept critères, aucun ne fait l'unanimité. Deux ont un consensus aux deux tiers, cinq n'ont pas de consensus, et l'effectivité de cette famille est de 57%. Elle situe donc une médiane et non une tendance de l'effectivité. Il y a aussi une divergence des réponses du panel aux questions de la famille 2 sur critères d'applicabilité du droit. Sur trois critères, aucun ne fait l'unanimité. Aucun ne fait un consensus aux deux tiers. Trois n'ont pas de consensus. Donc, l'effectivité de cette famille est de 60%. Elle situe une médiane et non une tendance de l'effectivité. Il y a aussi une divergence des réponses du panel aux questions de la famille. De la famille, sur les critères substantiels des normes d'application. Sur 48 critères, aucun ne fait l'unanimité. Les 8 ont un consensus aux deux tiers, 40 n'ont pas de consensus. L'effectivité de cette famille est de 40%. Elle situe une médiane et non une tendance de l'effectivité. Il y a aussi divergence des réponses du panel aux questions de la famille 4 sur les critères organiques. Sur 27 critères, aucun ne fait l'unanimité.
13 ont un consensus au tiers, 14 n'ont pas de consensus. L'effectivité de cette famille est de 37%. Elle situe une médiane et non une tendance de l'effectivité. Il y a une convergence des réponses du panel aux questions de la famille 5 sur les critères d'application du droit. Sur 20 critères, aucun ne fait l'unanimité. 9 ont un consensus aux deux tiers. 11 n'ont pas de consensus. L'effectivité de cette famille est 56%. Elle situe une médiane et non une tendance de l'effectivité. Donc, en effet, il y a aussi pour les critères extra-juridiques une divergence sur 12 critères, aucun ne fait l'unanimité, 5 ont un consensus aux deux tiers, 7 n'ont pas de consensus. L'effectivité de cette famille est de 52%. Elle situe une médiane et non une tendance de l'effectivité. C'est-à-dire que pour tous ces pourcentages et divergences, il faut donc reposer les questions pour affiner la confiance dans l'exploitation de cette valeur. L'effectivité globale de la Convention de Barcelone est de 51,66%. Sur 100. Donc, au total, cette valeur exprime une médiane et non une tendance de l'effectivité. Elle est exploitable avec une prudence renforcée nécessitant de reposer les questions au niveau de toutes les familles d'indicateurs juridiques pour valider ces résultats et par conséquent l'analyse. Voilà, donc pour le tableau général, pour ce qui concerne Turquie, l'enquête de l'effectivité des indicateurs juridiques pour la Turquie. Certainement, cette étude-enquête est une grande valeur du fait que c'est la première étude à mesure les effets d'une convention internationale sur l'ordre juridique à la lumière des données mathématiques en s'appuyant sur l'exemple de la Convention de Barcelone. Cette valeur de l'étude a également été expliquée aux participants de l'enquête et ils ont participé avec enthousiasme. Et pour résoudre au questionnaire, diverses administrations et institutions publiques, des universitaires et des avocats indépendants ont été sollicités en raison de la participation de tous les participants ayant des qualifications différentes au processus d'enquête. Il a été garanti que les données provenaient de différentes sources. De cette manière, le contenu des données a été diversifié et sa qualité a été augmentée. Mais de toute façon, 30 au total, 30 personnages et institutions ont été sollicités, mais on a eu des réponses satisfaisantes que la moitié des personnes et des institutions sollicitaient. Donc, au niveau national, un ministère et trois universitaires, et plutôt les 15 réponses au total, il s'agit des mairies des grandes métropolitaines au bord de la mer Méditerranée et des barreaux méditerranéens, c'est-à-dire que des barreaux régionaux. Autrement dit, les
les réponses ont été assurées plutôt pas au niveau national qu'au niveau régional, et les théoriciennes ont hésité de nous répondre, mais surtout les praticiennes n'ont pas hésité à nous répondre, comme les avocats, les ingénieurs en environnement. Et voilà donc la remarque principale des leçons à tirer de cette étude. Une deuxième remarque concerne la prise de conscience sur l'utilisation et l'application des instruments internationaux en droit national. Et une troisième remarque est relative à l'inspiration du rapport national et d'autres États riverains pour tester l'efficacité de la Convention de Barcelone. Mais je voudrais faire une quatrième, peut-être dernière remarque qui concerne l'effet sur le projet du canal Istanbul. Pourquoi et de quelle façon donc l'effectivité du droit de l'environnement, l'effet de droit de l'environnement sur ce projet qui est en cours, le projet du canal Istanbul. Pourquoi et de quelle façon? La Turquie est seul État riverain de la Méditerranée et de la mer Noire. Elle est soumise à la fois de la Convention de Barcelone et de Bucarest. La mer de Marmara étant une mer interne se trouve donc à la croisée de deux conventions. Si le projet du canal Istanbul est réalisé, ce canal ouvrira une deuxième voie maritime entre la mer de Marmara et la mer Noire, un canal en parallèle du Bosphore. Le projet du canal Istanbul est très contesté en Turquie. Monsieur le Président de la République, qui maîtrise, qui monopolise à la fois le pouvoir exécutif, est très obstiné pour la mise en pratique d'un tel projet de construction gigantesque. Si l'on reste dans le cadre du droit de l'environnement, la compatibilité d'un tel projet est contestable du point de vue du droit constitutionnel environnemental, du point de vue de la Convention de Barcelone et de la Convention de Bucarest, ainsi que de l'accord de Paris mis en vigueur en droit national le 11 octobre 2021. Le projet d'une telle construction gigantesque qui risque d'affecter l'environnement maritime et terrestre est donc à l'épreuve de l'effectivité du droit constitutionnel environnemental, premièrement, et de droit régional environnemental, ainsi que du droit international de l'environnement. Dans cet objectif, on a rédigé un rapport sur l'incompatibilité d'une telle construction avec les dispositions de l'accord de Paris pour déposer au tribunal administratif d'Istanbul par la mairie d'Istanbul. Donc, il y a
6 ou 7 procès pendant devant les cours administratives d'Istanbul concernant les actes administratifs d'expropriation et des modifications des plans d'aménagement urbain. Donc, l'accord de Paris, en effet, peut être conçu dans le cadre de notre constitution, un instrument des droits de l'homme. Et donc, le qualifiant d'un instrument des droits de l'homme, il tient une place dans la hiérarchie des normes au-dessus des lois nationales. Donc, en effet, ce projet de construction gigantesque qui risque d'affecter l'environnement urbain et rural et l'environnement maritime ainsi que la démographie urbaine est à l'épreuve de l'effectivité du droit de l'environnement national, régional et international. L'assistance des spécialistes qui travaillent sur l'effectivité du droit de l'environnement serait très précieuse dans ce domaine. Et donc, si j'ai une ou deux minutes, je voudrais une remarque finale du point de vue de l'effectivité de la Convention de Barcelone. Étant donné que les résultats des enquêtes étaient trop complexes pour être évalués, ceux qui ont appliqué cette méthode ont été invités à remplir à nouveau. Donc, pendant les enquêtes pour concrétiser les indicateurs juridiques. Pour cette raison, une méthode différente peut être envisagée pour bloquer l'option que partiellement, par exemple, ne pas cocher et peut-être écrit dans la case réservée à l'option. Donc, je ne sais pas. Donc, une méthode utilisée paraît pertinente, mais cette méthode doit être simplifiée, élargir. Il faut élargir aussi les zones de l'application. La méthode des indicateurs juridiques pourrait inspirer de toute façon le rapport national et aussi les États riverains de la Méditerranée pourraient utiliser la rédaction des rapports nationaux. Donc, c'est une première expérience bien réussite, même si les résultats sur l'effectivité de la Convention de Barcelone reste médiane. Je vous remercie bien pour votre attention. Merci, professeur, pour d'abord cette belle introduction pour rappeler la place de l'ordre constitutionnel et qui était la porte d'entrée pour traiter de l'effectivité de la Convention de Barcelone et sa place dans la hiérarchie des normes. Et donc nous avoir rappelé que en droit turc, les accords internationaux ont force de loi, ne sont pas susceptibles de recours constitutionnel et ont un effet direct dans l'ordre juridique interne. Pour l'effectivité de la Convention de Barcelone, le test pilote auquel vous avez procédé avec d'autres acteurs et qui s'inscrit dans la démarche plus globale qui est pilotée par le Centre international droit comparé de l'environnement et ses partenaires. Vous nous avez donné les résultats de l'enquête. Alors, c'est évidemment, il y a des mesures fines que vous avez données par rapport aux 6 familles de critères. On retiendra pour la commodité, pour la synthèse, se détache une valeur médiane qui est constaté de l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention de Barcelone dans les questionnaires, dans les retours, qui s'élève à donc 50,66%. Donc c'est vraiment une valeur médiane effectivement, et qui invite à travailler sur tous les retours qui étaient plutôt non conformes ou en tout cas où il y avait des questions encore qui restaient à régler.
Pour le projet du canal d'Istanbul, donc un important projet, vous avez souligné que ce projet se trouve à la croisée des accords internationaux, Barcelone, Bucarest, l'accord de Paris également, et que ce projet se trouvait de facto à l'épreuve, enfin de facto en droit même, à l'épreuve de l'effectivité du droit constitutionnel environnemental, du droit national et du droit régional. Nous avons bien noté au passage votre appel à un soutien international concernant ce projet. Merci, professeur. Et donc, il y aura sûrement des questions tout à l'heure au moment des questions.